Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'éducation des filles. Et pour cette année, le thème est l'excellence chez les filles. Quel engagement de la communauté éducative? C'est une question qui concerne l'État, les gens de développement, les parents, les enseignants et les élèves. C'est vrai, les filles réussissent de moins en moins au lycée, dans les concours nationaux et internationaux. Madame la ministre de l'Éducation, je crois que nous devons commencer à entendre la porte-parole des filles pour voir comment ramener l'excellence chez les filles. Je ne donne aucune importance capitale à la réussite et à l'excellence. Capitale me disant, en me disant qu'avec l'argent, je peux tout acheter comme j'achète mes bonbons. Mais aujourd'hui, avec vous, avec mes camarades, à vos camarades, je suis d'une famille, d'une diminue. Elle n'aura jamais la chance de réussir sans notre appui. En tant que porte-parole des élèves, nous allons organiser des actions de sensibilisation pour encourager les filles à travailler et à penser au travail. Nous cherchons
et de bontesse à vous dire que je vais faire de mon mieux. Je ne mélangerai aucun effort pour ce qui est de la préoccupation. Quitte à rejoindre l'idée du représentant des agents de développement pour l'éducation. Madame le Premier ministre, nous sommes toutes derrière vous pour que l'excellence chez les filles revienne. Qu'on entend le juge du concours général dire que les filles ont première excellence. Sur ce, je vous ai bien entendu. Je rendrai compte au président de la République de cette dernière extraordinaire. Lui qui est toujours préoccupé par l'éducation des filles. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour réussir notre engagement. Je vous remercie. La séance est levée.